Bonjour Yasmine, bonjour à tous. Bon, j'attends un petit peu que vous soyez un peu plus nombreux et on commence. Ok, donc je pense qu'on peut commencer. Je vais commencer par partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran, s'il vous plaît? Parfait. Ok, donc je commence par répondre à la question de Omar. Oui. Donc, tout à fait, vous avez raison. Pas que Omar, normalement, Ahmed et Yasmine étaient aussi tombés sur ce problème. Donc, normalement, vous devriez tomber sur une précision. Donc, le TP précédent, pour le TP 5, en faisant un forward, vous devriez tomber sur une précision de 97. Et effectivement, donc, les poids que je vous ai envoyés étaient entraînés sur les anciennes étiquettes, donc où le 0 était la classe 10. Donc, tout était complètement décalé. Donc, en fait, si vous inversez et vous considérez que la classe 1, c'est la classe 0. La classe 2, c'est la classe 1. La classe 3, c'est la classe 2. Et ainsi de suite jusqu'à la classe 10, jusqu'à la classe 9 qui devrait être maintenant la classe 0. Normalement, vous devriez avoir une bonne précision. En fait, bien sûr, au code précédent que j'avais utilisé. Donc, le code a été fait en MATLAB et les indices. L'indice en MATLAB n'est pas. On commence de 1, on ne commence pas de 0. Donc, ce qui a changé, bien sûr, c'est ça. Et ce qui a causé le problème, et ce qui a causé votre précision qui est très petite. Donc, normalement, et je pense que Omar, vous avez obtenu une bonne classification en inversant les indices, n'est-ce pas? Très bien, très bien. Ahmed et Yasmine, est-ce que vous avez changé ça est-ce que vous avez pu détecter ce problème? Oui, madame, je n'ai pas aussi une précision. Ahmed, je vous entends. Attendez, j'augmente le volume. Oui, allez-y. Madame, je n'ai pas aussi une pourcent, Svartsen. madame, Très bien, très à la bien. précision. Et qui veut le tout Oui, pour... Vous avez décalé les indices?
Madame, non, on apprend W1 ou W2, Hein? la colonne l'oula dirinaha comme faïs 1, B1. Ou la colonne, ou la colonne, genre la colonne 0, t'as W1, dirinaha le faïs, bad mil a, t'as le 26, dirinaha m'gaïtik les way. Ou de même chose, mais W2. Ou de là, le forward propagation normal. D'accord, donc Genre ça on a revient gagné un les petit classes, peu à faire. Ça revient un petit peu à faire un décalage. Oui, ça revient un petit peu à faire Oui, un madame, d'accord. décalage. Oui, madame. Donc en fait, le problème, c'était justement la classe, la première classe, ce n'était pas la classe 0, mais c'était plutôt la classe 1. Donc, si on éliminait la première ligne et on décale tout le reste, en fait, on considère 9 par 0 et le reste de 1. Et décaler le reste de 1. Voilà. Donc c'était juste ça. Je ne sais pas, je vais essayer, si j'ai un petit peu de temps, je vais essayer de reprendre le TP5. Sinon, c'est ça l'idée. Il faut juste décaler de. Ahmed, je pense que si vous considérez la première colonne comme des 1, vous allez perdre l'entraînement de la classe 0. A priori, me chauffe les weights que j'ai fait. Oui, Madame, si vous oui. voulez après la séance, je vous envoierai le code pour tester. C'est là Khalas, qu'il y a une erreur. mais d'accord, mais juste pour vous dire que le problème, c'était l'étiquette. Donc l'étiquette 0, c'était en fait l'étiquette 1. Et l'étiquette 9, c'était en fait l'étiquette 0. Donc Madame, oui. hadawa la confusion qu'il y avait. Oui, madame. Voilà, très bien. Bien. Donc on continue. Donc là, on commence le TP. Si c'est en fait, je me suis rendu compte en préparant le TP d'aujourd'hui où j'avais pas trouvé les mêmes résultats que j'avais précédemment. Donc pareil pour le TP d'aujourd'hui, vous allez considérer pareil la classe 0 qui est la classe 9. Et tout est décalé. Donc classe 1, c'est la classe 0 et ainsi de suite. Et c'est ce qu'on va voir pour le TP d'aujourd'hui. Donc, on commence le TP. Bon, avant de passer au TP d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a des questions, est-ce qu'il y a des remarques, à part cette remarque pour le TP numéro 5? Ça va pour le TP 5, on avance, parce que le TP 6, ça va être une continuité du TP 5. On sait que le TP 5, on a fait un forward pass, et là, on va faire un backward pass. Donc, on va essayer de faire une propagation en arrière pour mettre à jour nos poids. Donc, on est obligé de bien comprendre le forward pass. Bien, donc s'il n'y a pas de questions et il n'y a pas de remarques par rapport au TP 4, 5, donc on continue et on avance avec le TP 6. Pour le TP 6, on va faire une propagation en arrière et on va essayer d'entraîner notre modèle. Donc, les poids que je vous ai donnés durant la séance passée étaient des poids déjà entraînés. Et là, votre tâche, c'est justement d'entraîner les poids, les nouveaux poids. J'ai oublié de rajouter une cellule pour initialiser les poids aléatoirement. Donc, vous devriez rajouter une cellule pour initialiser des poids aléatoirement. Et sur ces poids initialisés aléatoirement que vous allez faire votre apprentissage du réseau de neurones. Donc, je vais reprendre ça en avançant sur le TP. Donc, le même TP avec la même base de données, les mêmes. Bon, les poids, ça va être différent. Donc, je vous ai mis de nouveaux poids sur le drive. Donc, on va utiliser de nouveaux poids, pas les poids qui ont déjà été entraînés et que je vous ai mis la semaine passée. Donc, on commence avec la lecture des fichiers, comme d'habitude. Donc, les données sont dans le fichier data.csv. Le fichier data contient 5000 exemples, 400 caractéristiques pour les 20 fois 20 pixels. Et la dernière colonne, c'est les indices. C'est les étiquettes, pardon. Donc, c'est les étiquettes.
Et là, c'est là où on va essayer de faire un décalage pour avoir le bon résultat. Alors, on construit notre ensemble de données, nos x et nos y. D'abord, bien sûr, les x, on rajoute le biais pour la première colonne. Et pour le reste, ça va être les pixels, les 400 pixels qu'on a lus. Y, c'est la dernière colonne, comme la dernière fois. Et on va faire un reshape pour obliger notre y à avoir une seule colonne. Donc, les dimensions, 5000 exemples, 401 caractéristiques, 5000 exemples et une étiquette. Visualisation aléatoire, le même code que précédemment. Et là, ce qu'on a besoin de faire, normalement, ça, vous l'avez utilisé dans la régression logistique, c'est l'équivalent de two categorical. Vous vous rappelez qu'on avait utilisé two categorical durant le TP numéro 1. Et en fait, two categorical, c'est ce qu'on a utilisé plusieurs fois dans la régression logistique et ce qu'on utilise dans les réseaux de neurones. Donc, si j'ai une image qui a la classe 1, donc ça, c'est son étiquette qui est un scalaire, on va juste la transformer en un vecteur où l'indice 1 va être mis à 1 et tout le reste va être mis à 0. Donc, le reste, bien sûr, c'est nos 9 classes restantes. Voilà. Et c'est ce qu'on a mis sur ce code. Donc, j'initialise notre Y au nombre d'exemples. Et là où j'ai Y différent de 0, ah non, non. Donc ici, c'est juste la taille de Y. Donc là, le nombre maximum de classes de Y auquel je rajoute un 1, donc ça va être le nombre de colonnes. Donc nombre de lignes, c'est le nombre d'exemples. Nombre de colonnes, c'est le nombre de classes. Donc ça, c'est exactement le nombre de classes. Et donc, ça aura 5000 exemples et 10 classes. Maintenant, je mets à jour donc, ce que je viens de faire ici. Je cherche l'étiquette de cet exemple et je vais la mettre à 1. Et donc, Y... de i, donc pour chaque exemple, je vais aller chercher y de i, donc je vais aller chercher la classe, et à la colonne de cette classe, je vais mettre un 1. Alors ici, je réfléchis à essayer de changer ce y de telle sorte à avoir le 1. Donc ce qu'on peut faire, i. Bon, on va laisser comme ça pour le moment et on verra par la suite. Donc là, on a juste mis à jour donc, notre vecteur avec la classe en mettant un 1. Donc, équivalent de tout categorical qui a été déjà implémenté avec scikit-learn. Le réseau de neurones, donc pareil, qui contient 400 nœuds, les 400 qui nous viennent des 20 fois 20 pixels, plus le biais, la couche cachée qui contient 25 nœuds et la couche de sortie, donc le nombre de classes qui contient 10 nœuds. Donc ça, c'est exactement le même réseau qu'on a utilisé la semaine passée. Donc réseau très simple, notre objectif, c'est de comprendre et de maîtriser l'algorithme des réseaux de neurones. Les poids de la couche 1. C'est des nouveaux poids, c'est différent des poids de la semaine passée. Donc, nos nouveaux poids, c'est ces poids qu'on va utiliser pour entraîner. Normalement, c'est des poids différents, même si normalement, on devrait générer aléatoirement de nouveaux poids. Donc, normalement, c'est des poids différents. Donc, voilà. W1 qui contient 401 lignes, 401 colonnes et 25 lignes. Donc, un paramètre pour chaque neurone.
Et on sait que dans la couche d'entrée, on a 401 neurones. Dans la couche cachée, on a 25 neurones. Donc, en fait, tout ça, en faisant la combinaison linéaire, en faisant des multiplications et des additions, on devrait tomber sur 25 fois 401 paramètres. C'est un nombre grand de paramètres. La deuxième couche, la couche cachée, donc les paramètres de la couche cachée, c'est dividé en 26 colonnes. Donc, les 26, c'est les caractéristiques précédentes de la couche précédente, auxquelles on rajoute le 1, le biais, et 10, bien sûr, donc c'est le nombre de classes. Alors, première chose à faire, c'est le calcul du coût. Ce que vous devez implémenter ici, donc la première partie du coût, ça, je viens de la. Donc, vous l'aurez implémenté. Et la deuxième partie, qui va être l'ajout du terme de régularisation. Donc, ce qu'on va expliquer maintenant, c'est le coût sans la régularisation. Et ce que vous devez ajouter à ce coût, c'est le terme de régularisation. Donc, rappelons ici que le coût, c'est moins y k i, logarithme de l'hypothèse de i de k, moins 1 moins y k de i, logarithme de 1 moins l'hypothèse de i k, pour i allant de 1 jusqu'à m et pour k allant de 1 jusqu'à k. Alors, ma question pour vous est, à votre avis, que représente le i et que représente le k? Que représente le i? Et que représente le k? Je sais que ça, c'est le coût. Donc, le coût, c'est l'étiquette réelle, y, fois logarithme de l'hypothèse, Non, moins comme 1 not by moins the l'étiquette. future, là. Comment? Si not by the future, madame, Le k ou là عندك le i? من le i, madame, les impôts tax. Les inputs, que représente That le was i? the... Hein, pour moi, les Les impôts, classes. madame. Adna les classes, adna les inputs. Les inputs, c'est-à-dire les inputs, Ayman. Oui. C'est-à-dire les inputs. X1, X2, X3, X4, hein, Les caractéristiques. non, madame. Ce qui m'a fait le cas, c'est l'image de Hagda de Très Chambon. bien. OK, d'accord. D'accord. Donc, c'est les exemples. Oui, hein, pour moi, oui. C'est les exemples. Voilà, pour Ayman, c'est les exemples. Donc, i de 1 jusqu'à m, i est égal à 1, c'est le premier exemple, i est égal à 2, deuxième exemple, etc. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Et ensuite, on va passer au k. Le i, c'est la couche ou le layer. Est-ce que c'est la couche? Est-ce que c'est l'exemple? C'est l'exemple, madame. C'est l'exemple. Yasmine nous dit que c'est l'exemple, Ayman nous dit que c'est l'exemple, Iman nous dit que c'est la couche. Bien, donc on passe au cas, ensuite on donne la réponse. Le cas maintenant. Donc on a deux possibilités pour le i, maintenant le cas, à votre avis. Très bien, car au début on divise par m, qui est le nombre d'exemples. Bien. Bien. OK. Donc, on a trois votes pour que i soit le nombre d'exemples. Maintenant, le k. J'ai le nombre de classes, madame. On a le nombre de classes. Qui est pour le Les nombre classes de possibles. classes? Les classes possibles. Est-ce que vous êtes d'accord que ce soit le nombre de classes? Bien, moi je suis d'accord. Donc je suis d'accord avec ceux qui ont dit i représente l'exemple et je suis d'accord avec ceux qui ont dit ou celui qui a dit que k c'est les classes. Effectivement, donc pour chaque classe et pour chaque exemple, je vais aller calculer la différence entre ce que j'ai prédit réellement. Ce que j'ai prédit
et ce qui était réel. Et c'est ce qu'on a l'habitude de faire, n'est-ce pas, depuis le TP numéro 1, depuis le cours numéro 1. Donc, ce qu'on a, le coût, c'est quoi? C'est l'étiquette réelle moins l'étiquette prédite. Et je fais la somme sur tous les exemples. Maintenant, du moment que j'ai plusieurs classes, je fais la somme sur plusieurs classes. En fait, I, ce n'est pas la couche Imen, parce que la couche, vous avez une couche d'entrée, une couche cachée et une couche de sortie. Donc, en fait, si vous faites ça, si le I serait seulement les couches, donc où est-ce qu'on va sommer l'erreur sur tous les exemples? Et en fait, on n'a pas Y dans chaque couche. Si je boucle sur Y, donc Y de la première couche, Y de la deuxième couche et Y de la troisième couche, non, nous, on a un seul Y qui est l'étiquette de la classe. Et en fait, l'étiquette, mais on l'a changé, maintenant c'est devenu un vecteur. Du moment que c'est devenu un vecteur, je vais sommer le vecteur. Donc en fait, ce qui va arriver dans cette première boucle, c'est de prendre le premier vecteur. Donc le vecteur, on va dire, donc je reviens ici. Donc ça, c'est l'étiquette réelle, ça c'est mon Y de l'exemple I. Et ça, c'est mon hypothèse de l'exemple I. Et en fait, ceux qui ont dit, s'il y a ceux qui ont dit, c'est les neurones, c'est aussi les neurones. Donc, c'est les neurones, le nombre de neurones. Donc, le cas que j'ai ici, c'est le nombre de neurones de la dernière couche, n'est-ce pas? Donc, l'hypothèse, je vais dire que mon hypothèse, 0,1, 0,3, 0,5, 0 peut-être. Et là, donc ça, c'est mon hypothèse. Ça, c'est Hθ de x. Hθ de x qui est l'activation dans la dernière couche, l'activation de 3. N'est-ce pas? Donc, ce qu'on va faire avec cette première somme, c'est de prendre Y moins hypothèse, et là, j'aurai un vecteur. Premier vecteur, qui est 0 moins 0,1, 1 moins 0,3, 0 moins 0,5, et ainsi de suite. Donc, j'aurai un 0,9 ici, 0,7, moins 0,7, moins 0,9, etc., jusqu'à 0. Et ça, c'est donc la différence. Et je vais sommer ça sur K. K, j'ai 9 classes. Donc, en fait, en prenant tout ça, je vais avoir un scalaire qui est la somme de la différence. Donc, on l'a fait pour chaque classe. Et là, je vais faire la somme pour tous les exemples. Et donc, si j'élimine le nombre de classes, je vais tomber exactement sur le coût de la régression logistique. J'enlève le K. Et le coût de la régression logistique, c'est de prendre le output, notre Y, et de lui soustraire notre hypothèse, et de sommer ça sur tous les exemples. Ça va, on est d'accord sur cette formule? On est d'accord, Iman? Oui, madame. Oui. Bien. Très bien, donc on continue. Alors, d'abord, on calcule la sigmoïde. Donc ça, on l'a fait ensemble dans un OTP. La sigmoïde, ce n'est autre que 1 sur 1 plus exponentielle moins z, si mon z est mon entrée. Et là, on va commencer à calculer le coût. Donc, on avait dit que le coût, ça va être notre y fois log l'hypothèse moins 1 moins notre y fois log de 1 moins l'hypothèse. Et donc, pour calculer notre coût, on doit d'abord calculer nos activations. Donc, nos activations, nos fonctions linéaires auxquelles on applique une sigmoïde, donc ça va être l'activation. Et cette activation va être l'entrée de la prochaine couche. Donc, on va lui appliquer une fonction linéaire. On applique ensuite une activation, donc une autre sigmoïde, pour enfin avoir les classes, donc notre output final qui est notre hypothèse. Donc, ce que je donne en entrée, c'est nos x, notre matrice des x. Donc, x, nombre de lignes, c'est le nombre d'exemples. Nombre de colonnes, c'est le nombre de neurones. Notre y, donc, c'est ce qu'on a transformé. Notre y qui était une étiquette, petit y qui était une étiquette. Notre grand y maintenant, qui est une matrice avec le nombre d'exemples en nombre de lignes et le nombre de classes en nombre de colonnes. Theta 1 et theta 2, c'est nos poids. Qu'on a lu. Et donc, la taille de notre hidden layer.
Alors, je pense que Hidelayel, je l'ai utilisé ici. Donc, oui, c'est un paramètre d'entrée. Et là, le lambda que je n'ai pas encore utilisé, mais que vous devez utiliser pour implémenter la régularisation. Donc, le calcul du coût avec régularisation. Alors, A1, c'est l'activation du premier, de la première couche. Donc, si je reprends notre réseau, j'ai 400 caractéristiques, 4 fois 4, 20 fois 20, pardon, donc 20 fois 20 pixels, j'ai 400 pixels, 400 inputs, 400 neurones dans notre input. On rajoute notre biais. Et avec ça, on va aller calculer la prochaine couche. Et là, on aura 25. 25 couches. Donc, comment je calcule chacune? Donc, ça, on a appelé activation. Activation de la première couche. Et ça, ça va être d'abord la fonction linéaire de la deuxième couche à laquelle on applique une sigmoïde. Donc, sigmoïde de Z de la deuxième couche. Sigmoïde, donc j'aurai un vecteur pour chaque exemple. Donc, un vecteur qui va être de taille 25 aussi. J'ai perdu ma connexion. Une seconde, j'espère que ça va revenir rapidement. Donc, je continue. Je vais juste mettre les questions ici. On continue ici. Alors, le biais. Je multiplie le biais A par son paramètre auquel je rajoute le deuxième 2 que je multiplie par son paramètre, auquel je rajoute le troisième 2 que je multiplie par son paramètre, auquel je rajoute donc tous les autres 2. Donc, je fais en fait 401 multiplications. 401 multiplications et une somme. Je somme tout ça pour avoir le premier nœud de la couche cachée. Donc ça, pour le moment, c'est notre Z. C'est juste la combinaison linéaire. Je fais ça aussi avec le deuxième nœud. Donc 1 multiplié par premier poids plus premier nœud multiplié par deuxième poids. Troisième nœud multiplié par troisième poids, et ainsi de suite, jusqu'à avoir le deuxième nœud. Et j'applique ça sur tout le reste. Donc pareil, jusqu'au dernier. Donc, multiplication des paramètres par nos caractéristiques. Et si je fais ça avec tous nos exemples, donc, je vais appliquer une multiplication matricielle qui est exactement celle-ci. Donc, multiplication matricielle de A1, A1 qu'on a appelé la couche d'entrée. Donc, ça, c'est notre A1. Et j'appelle ça A1 et non pas Z1, car je ne vais pas appliquer une sigmoïde à la couche d'entrée. Ça, il faut faire attention, je n'applique pas de sigmoïde à la couche d'entrée. La couche d'entrée est d'ores et déjà considéré comme une activation. Donc, première activation A1, c'est la couche d'entrée. La fonction linéaire qui vient ensuite, c'est le Z de la deuxième couche. Et le Z de la deuxième couche, c'est la multiplication matricielle de la couche d'entrée et de θ1. Donc, θ1 qui était une matrice, n'est-ce pas? Donc, en fait, notre θ1, c'était une matrice de 401 lignes, alors nombre de lignes, 401 lignes, oui. Θ1 transpose, c'est une matrice de 401 lignes et de 25 colonnes.
et l'autre x qui est de 5000 lignes, 5000 lignes et 401 colonnes. Donc, la première ligne, donc premier exemple que je vais multiplier par les premières caractéristiques. Donc, ligne fois colonne. Et ça me donne le premier neurone. Ça va me donner le premier neurone. Et c'est exactement ce qu'on a ici, ce qu'on a fait ici. Donc, la première caractéristique que je vais multiplier par les premiers paramètres. Alors, caractéristique ici, premier exemple, caractéristique qu'on va multiplier par les poids pour avoir le premier nœud. Voilà, donc première caractéristique que je multiplie par tous ces poids. Donc les poids que j'ai ici, donc premier poids, alors ça c'est pas visible, c'est avec ça. Donc premier poids, non. Premier poids, deuxième poids, troisième poids, jusqu'au dernier poids. Et ça va me donner le premier neurone. Et c'est exactement ce qu'on a fait ici. Donc, on a pris l'exemple. On a multiplié par la première colonne de θ et on a obtenu le premier nœud. Je prends le même exemple que je multiplie par la deuxième colonne de θ et on va obtenir le deuxième nœud. Et ainsi de suite. Donc, c'est une multiplication matricielle de notre grand X. Donc, je fais ça pour la première ligne de X, j'obtiens 25 nouvelles caractéristiques, donc 25 nœuds. J'ai 25 colonnes dans mon θ, j'ai 401 lignes, donc 401 colonnes avec 401 lignes, ça me donne un scalaire que j'aurai donc dans le premier nœud. Je fais ça pour le deuxième nœud, je fais ça pour le troisième nœud et j'aurai au final 25 nœuds pour la couche, pour la deuxième activation, donc notre Z2. J'ai 25 nœuds qui ont été obtenus par la multiplication matricielle du premier exemple avec toute la matrice de nos θ. Donc ça, c'est notre θ. θ1, bien sûr. θ1. Donc multiplication avec θ1, donc on a tous nos nœuds. Et je répète ça pour tous les exemples. Donc, deuxième ligne, ça va me donner 25 nœuds pour le deuxième exemple et ainsi de suite. Et c'est exactement ce qu'on a fait ici. Donc, A1, qui est notre première activation, qui est nos X, et θ1, qui est notre matrice de paramètres, les paramètres de la première couche. À ça, on va appliquer une sigmoïde. Donc, ça, c'est la combinaison linéaire. Alors, intercept, ça, on a juste rajouté le biais au output. Donc, à mon output, je vais rajouter un biais. Donc, jusqu'ici, le output a déjà été rajouté à 1,1, qui est le X. Et à la sortie, on va rajouter aussi le biais. On calcule maintenant la sigmoïde. Donc, A2 est égal à la sigmoïde de Z2. Donc, une fois qu'on aura calculé ces 25 nœuds, ça, c'est Z2, Z de la deuxième couche. Je lui applique donc sigmoïde de Z2, sigmoïde de Z2, c'est égal à quoi s'il vous plaît, la sigmoïde de Z2, c'est égal à quoi? Comment j'appelle ça, la sigmoïde de Z2? C'est quoi la sigmoïde de Z2? Vous connaissez? Z2,
c'est ce qu'on a calculé en faisant la combinaison linéaire. Oui, c'est 1 sur 1 plus exponentielle de x. Donc, c'est 1 sur, oui, vous avez raison, Ahmed. Donc, c'est 1 sur 1 plus exponentielle. Dans notre cas, c'est z. Donc, je vais appeler ça moins z de 2. Et c'est quoi? Comment on l'a appelé? Comment on l'a appelé? Juste le nom. Juste le nom, comment on a appelé ça? Donc, la première, la fonction linéaire, on l'a appelée z. Et la sigmoïde de la fonction linéaire, c'est quoi le mot, la lettre qu'on a utilisée? On a utilisé une lettre. Pas le z. A, B, C, D, c'était quelle lettre? C. Non, c'est pas le C. Non, c'est pas le C. Autre chose, comment on appelait ça? Comment on appelle la sortie d'une couche? Comment on l'appelle dans les réseaux de neurones? La sortie d'une couche. Non, c'est pas Y. Out E. Oui, c'est out E, mais comment on appelle en général la sortie d'un réseau de neurones, la sortie d'une couche dans un réseau de neurones? Comment on appelle ça? Z, c'est la combinaison linéaire. On a utilisé le Z pour dire que c'est la combinaison linéaire. Mais quand on applique la sigmoïde sur la combinaison linéaire, comment on appelle ça? Alors, soit je vous donne la lettre, soit je vous donne comment on appelle la couche. Donc, choisissez. Si je vous donne la lettre, vous devez me dire pourquoi on l'a appelée comme ça. Et si je vous donne l'appellation, vous allez extraire la lettre. Donc, choisissez. La couche, alors, lorsque j'applique une sigmoïde sur une fonction linéaire dans un réseau de neurones, je dis que je suis en train d'activer la couche. Et on appelle ça une couche d'activation. Qu'est-ce que j'utilise comme lettre au lieu du Z? A. A, très bien. Donc, c'est la lettre A. C'est l'activation, donc j'utilise généralement la lettre A. Donc, la sigmoïde de Z, je l'appelle A pour dire que c'est l'activation de la couche. Donc, A de 2. L'activation de 2. Et en fait, l'activation, juste entre parenthèses rapidement, l'activation, ça nous vient du cerveau humain où, lorsque je veux exécuter une certaine action, j'ai le neurone qui va s'activer, le neurone dédié à la tâche. Par exemple, je veux tenir un stylo, donc c'est le neurone qui tient, qui fait bouger la main, qui va être activé. On dit « neurons fire up ». Donc, cette appellation dans le réseau de neurones artificiels, ça nous vient du cerveau humain où c'est le neurone qui fait l'action qui va être activé. Et ce qu'on cherche, en fait, lorsqu'on entraîne un réseau de neurones, c'est de chercher quels sont les neurones qui vont être activés pour telle et telle classe. Donc, tout l'entraînement va se faire par rapport à ça. Bien, donc on a appelé ça A pour dire que c'est une activation. J'active le neurone. La sigmoïde est en train d'activer le neurone. Et une fois qu'on aura activé le neurone, donc l'appellation c'est le A, donc notre couche s'appelle A. Et je reviens ici. Donc, on a multiplié notre couche d'entrée, notre A1. Et vous vous rappelez, on avait appelé ça aussi A1. Pour dire que c'est l'activation de la couche d'entrée. Z1, ça n'existe pas. Je vous ai dit que pour la première couche, on ne fait pas de sigmoïde. Donc, on prend les caractéristiques telles quelles. On ne change rien. Et pour la couche suivante, donc on fait la combinaison linéaire, on trouve notre Z. À ce Z, on va appliquer une sigmoïde et on va appeler ça A2. Donc, c'est l'activation de la couche 2. Et qu'est-ce que je vais faire avec ce A2, s'il vous plaît? Donc, j'ai 25 neurones dans A2. Qu'est-ce que je vais faire avec? C'est quoi notre objectif?
Qu'est-ce que je vais faire avec ces 25 neurones? Très bien. Une autre forward. Comment je fais la prochaine forward? Donc ici, je rappelle, on a pris notre θ, on a multiplié notre A1 avec tous les θ. On a obtenu un Z2. On a appliqué une sigmoïde et on a obtenu un A2. Maintenant, très bien, donc le A2 va devenir le input de la prochaine couche. Donc en utilisant les activations de Z2, A2, très bien, donc en utilisant le A2, Z2 on oublie, ça y est. Donc Z2, on l'a utilisé pour calculer la combinaison linéaire. Une fois qu'on aura ça, on passe à A2 et c'est A2 qu'on va utiliser, n'est-ce pas? Donc on passe à la couche suivante, on utilise les activations de Z2. Bien, donc on utilise les activations de Z2, je suis d'accord avec vous. On a le A2 et on va faire Z3. N'est-ce pas? Et A3. Alors, une seconde, je viens de perdre ma connexion. Bien, on continue. Donc, vous m'aviez dit, alors, Yanis, normalement, vous m'aviez dit 25 et Ahmed, vous m'aviez dit 10. Donc, qui dit que la couche Z3 va avoir 10 nœuds et qui dit qu'elle va avoir 25 nœuds? Donc, combien de nœuds je vais avoir ici? Est-ce que ça sera 25? Est-ce que ça sera 10? Z3, n'est-ce pas? La couche Z3, c'est la couche output. Bien. Donc, en fait, ce qu'on a dit, c'est que ce réseau, c'est un réseau très simple. Donc, c'est un réseau qui contient une couche d'entrée, une couche cachée et une couche de sortie. Et effectivement, donc, la couche Z3, ça va être notre couche de sortie. Donc, combien de nœuds? Madame, 10. Très bien, très bien. Donc, tout le monde est d'accord. On aura 10 nœuds en sortie. Excellent. Donc, 10 nœuds. Jusqu'à 10, étant donné que j'ai 10 classes. Je vais faire la combinaison linéaire. Donc, ça va être le premier nœud de la couche 2, donc de A2. Donc, je vais prendre A2, je vais multiplier par le poids. Donc, ici, j'ai le poids W2, n'est-ce pas? Donc, je vais multiplier la première colonne de W2 avec le premier nœud, plutôt la première ligne de W2. W2 transpose. Donc, multiplication. Et je vais avoir le premier nœud. Pour le deuxième nœud, je fais la même chose. Je fais multiplication. Donc, le nœud multiplié par le poids de W2 plus le nœud multiplié par le poids de W2 plus jusqu'au dernier nœud multiplié par le poids de W2. Et je vais avoir le deuxième nœud. Le troisième nœud, pareil. Donc, premier nœud multiplié par le poids de W2. Deuxième nœud multiplié par le poids de W2. Donc, la somme, bien sûr, combinaison linéaire jusqu'au dernier. Et on va obtenir donc le Z3. Est-ce que jusqu'ici, on est bon? Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Ou est-ce que tout est bon? Ça va, Z3, c'est bon? On n'a pas fait d'erreur? La logique est bonne, ok, très bien. Donc, on a multiplié nos nœuds avec nos points. Est-ce que c'est suffisant? Bon, j'ai encore perdu ma connexion. Ah, madame. Oui? Madame. Oui? Pouvez-vous répéter? J'ai pas bien entendu ce que
ce qu'on a fait vis à 3. Ok, je répète. Je vais juste essayer de voir si je peux utiliser ma 4G parce que... Alors, je répète. Donc, au niveau de la couche 2, on a pris la couche d'entrée, on l'a multipliée par nos paramètres et on a obtenu une couche Z2. Z2, on a appliqué une sigmoïde, on a obtenu A2. Maintenant, on a considéré que A2, c'est notre nouveau input. Donc, du moment que A2, c'est notre nouveau input, on a multiplié A2 par les poids de W2. Et on a 25, 25 nœuds, n'est-ce pas? On a seulement 25 nœuds. On a fait toutes les multiplications nécessaires. Donc, le premier nœud multiplié par le premier poids de W2 plus le deuxième nœud de A2, hein, de la couche 2. Donc, c'est A2. A2, première valeur de A2 multiplié par première valeur de W2. Deuxième valeur de A2 multiplié par deuxième valeur de W2. Et ainsi de suite jusqu'à la dernière valeur de A2 multipliée par la dernière valeur de W2 pour la première ligne. Et on va obtenir un nœud, premier nœud. On répète ça pour tous les autres nœuds. Et ma question, c'était, est-ce qu'on a tout fait? Est-ce que c'est suffisant? Ou est-ce qu'il y a une erreur? Bias, très bien. Très bien, je cherchais le biais. Donc, est-ce que vous êtes d'accord? On n'a pas encore ajouté le biais, n'est-ce pas? On a 25 nœuds. Bon. J'essaie de me reconnecter rapidement. Vous êtes d'accord qu'on n'a pas encore ajouté le biais? Bien, bien. Donc là, je vais rajouter mon biais et tout ce que j'ai multiplié, je rajoute le biais à la combinaison linéaire. Donc le biais va être rajouté partout. Très bien. Donc j'ai rajouté le biais qui n'existait pas avant. Et là, qu'est-ce que je fais? Donc j'ai obtenu mon Z3, Z3 qui va être un vecteur de, 25, de 10 valeurs, on avait dit, pour les 10 classes, parce que c'est, on avait dit que c'était la couche de sortie. Qu'est-ce que je fais à Z3? Z3, pour le moment, c'est juste une combinaison linéaire. Très bien. Donc là, on va appliquer une sigmoïde. Donc là, je vais dire que A3 est la sigmoïde de Z3. Combien j'aurai de nœuds dans A3? Très bien, parfait, parfait. Jusqu'ici, on est d'accord. Et là, donc, c'est exactement ce qu'on a fait dans notre TP. Donc, on a pris multiplication de A1 avec θ1. On a appliqué la sigmoïde à Z2. Donc, j'ai appelé ça Z2. Ensuite, Z3. J'ai fait la multiplication de A2 avec θ2. Et ensuite, application de θ2 à Z3. A3 ici va être un vecteur de 10 valeurs. Est-ce que c'est un vecteur ou une matrice, à votre avis? Je lui ai donné x. X, donc A1, et mon x. X, la dimension de x, c'est combien, s'il vous plaît? C'est une matrice, très bien. Les dimensions de x. Les dimensions de x. X, x notre entrée. X, notre couche d'entrée. Combien de caractéristiques j'ai? Une. Et X, c'est une matrice ou c'est un vecteur de 401 valeurs? C'est un vecteur? Je reviens, je remonte.
x. Voici mon x. C'est un vecteur ou c'est une matrice? X contient toutes les images, n'est-ce pas? On est d'accord que X contient toutes les images. Très bien. Donc, une matrice de 401 vecteurs. Donc, bien. Donc, j'ai 5000 images et 401 caractéristiques. 401, 400 pixels et un biais. Matrice. Très bien. Une matrice de 5000 vecteurs. OK. 5000 vecteurs. Bon. Oui. X, c'est une matrice qui contient 5000 lignes. Et dans ce cas-là, A3, c'est quoi? A3, ça va être de quelle dimension? De quelle dimension? Si c'est un vecteur, si A3, c'est un vecteur. 10 fois 1, 10 lignes et une colonne. Vous êtes tous d'accord que A3? Alors, j'ai pris A1. A1, il est de quelle dimension? A1 est de quelle dimension, s'il vous plaît? A1 est égal à X, n'est-ce pas? Très bien. 5000 fois 401. Excellent. A1 est de 5000 fois 401. Z2 est de quelle dimension? Z2, c'est la multiplication matricielle de A1 qui est 5000 fois 401. Et de θ1 qui est 401 fois 25. Donc Z2, il a quelle dimension? Madame. 5000 fois 400, Z2? Z2? Oui, on pense que x est à 0. De x shape ta 0 les 5000 virgule layer size les 400 layer size z2 hada on a la couche 2 on a la couche 1 la couche 1 la couche 1 oui ah, non, je me suis trompé madame. D'accord donc vos camarades disent 5000 fois 25. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que Z2 est de taille 5000 fois 25? Est-ce que vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? Vous avez d'autres idées? Donc, on essaie de vérifier si vous n'êtes pas d'accord. Et pour vous convaincre, moi, je suis d'accord. Et pour vous convaincre, on va le faire ensemble. Donc, j'ai une matrice. J'ai une matrice qui est mon X. Mon X qui est de 5000 lignes fois 401 colonnes. Mon θ1, c'était θ1 transpose. Donc, θ tel que je vous l'ai donné. Donc, voici mon θ1, c'est 25 lignes fois 401 colonnes. J'ai fait la transposée pour avoir 401 lignes et 25 colonnes. On a utilisé la transposée ici. Donc, θ1 qui est de 401 lignes et de 25 colonnes. D'accord? Donc, ce que j'aurai, donc je prends première ligne fois la colonne. Et ça, je peux le faire. J'ai 401 lignes, j'ai 400 colonnes dans mon X et j'ai 400 lignes dans mon θ. Donc, je peux faire la multiplication. Donc, première ligne fois première colonne me donne première valeur. Première ligne fois deuxième colonne me donne deuxième valeur. Ainsi de suite jusqu'à la 25e valeur. Et je répète ça pour la deuxième ligne, pour la troisième ligne, jusqu'à la 5000e ligne. Donc, en fait, ce que j'aurai comme sortie, j'aurai ici 5000 lignes et 25 colonnes.
jusqu'ici. Et si je reviens sur notre réseau, donc notre réseau a pris un vecteur de 401 valeurs, donc 400 qui sont nos pixels, et ce qu'on veut faire sortir, c'est nos 25 nœuds. Donc ça, c'est pour une seule image. Ça, c'est pour une image. Pour une image, j'ai 400 pixels et j'ai un biais. Et je veux faire sortir 25 nœuds. Donc, pour une image, j'ai un vecteur en sortie de 25 nœuds. Mais en fait, nous, on a 5000 images. Donc, je prends tout mon X que je multiplie avec tout mon θ1 et je vais obtenir pour chaque exemple 25 valeurs pour chaque exemple. Donc, 25 caractéristiques pour chaque exemple. Exemple 1, exemple 2, jusqu'à exemple 5000. Et en mathématiques, vous avez dit que lorsque j'ai une matrice qui est de taille M fois N, que je multiplie par une matrice qui est de taille N fois P, la taille finale va être quoi? M fois P, très bien. M fois P. Obligatoirement, pour faire une multiplication matricielle, le nombre de colonnes de la première matrice doit être le nombre de lignes de la deuxième matrice. Et lorsque j'aurai le résultat, j'enlève ça qui est égal et je garde seulement le nombre de lignes de la première et le nombre de colonnes de la deuxième. Et c'est exactement ce qu'on a fait avec ce code. Donc, Z2, ça a été la multiplication de A1 qui est tous les exemples, toutes les caractéristiques de tous les exemples, et θ1 qui a donc une taille conforme, qui est conforme à ce input. Donc on a compris la taille de Z2. La taille de A2, c'est de combien, s'il vous plaît? A2 qui est l'activation de Z2. Donc c'est la sigmoïde de Z2. Elle sera de quelle taille, s'il vous plaît? Pareil, très bien. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, A2, c'est juste la sigmoïde. Donc, je vais reprendre exactement la même matrice et je vais lui appliquer une sigmoïde. Donc, chaque valeur que j'ai à l'intérieur va être remplacée par sa sigmoïde. Et je vais avoir une autre matrice de même taille. Vous êtes d'accord jusqu'ici? Bien. J'ai appliqué la sigmoïde ici, j'ai appliqué la sigmoïde ici, j'ai appliqué la sigmoïde sur tout le reste et j'ai obtenu le A2, donc l'activation de 2. Et ça, vous devez vous rappeler que l'activation est égale exactement, donc sa taille est égale exactement à la taille de la combinaison linéaire, étant donné que je suis juste en train d'appliquer une sigmoïde à la fonction linéaire. Maintenant, je passe à Z3. Z3 va être la multiplication de A2 et de θ2. Je sais que θ2, la transposée de θ2, c'est juste ici, j'ai juste rajouté la transposée parce que le W1 a des tailles inversées, juste pour que ça soit conforme. Donc, la transposée, θ2 en 25 lignes. Et les couches de sortie, la couche de sortie contient 10 classes, donc 10 classes, donc 10 colonnes. A2, on a dit que sa taille était de 5000 fois 25. Donc, quelle sera la taille de A3, s'il vous plaît? Z3 d'abord. 5000 fois 10. Très bien. Pour les autres, vous êtes convaincus que Z3 est de taille 5000 fois 10? Si on n'est pas convaincu, oui, on le fait ensemble. Bien. Donc, ici, notre A2 était de taille 5000 fois 25. Notre θ est de 25 fois 10. Donc, le 25 part avec le 25. Et en sortie, j'aurai 5000 en ligne et 10 en colonne.
Notre J maintenant va être de quelle taille, s'il vous plaît? Quelle sera la taille de J? J, c'est notre coût. Scalaire. Qui dit scalaire? Qui d'autre dit scalaire? Qui dit que c'est une matrice? Notre J, est-ce que vous êtes d'accord avec Ahmed? Est-ce que c'est un scalaire? Bien. Effectivement, moi aussi je suis d'accord. Donc en fait, notre J, vous vous rappelez que c'était 1 sur M. Exact. Donc c'est l'erreur, car c'est l'erreur par rapport à tous nos exemples, n'est-ce pas? Donc c'est 1 sur M. Donc M, c'est la taille de Y, c'est le nombre d'exemples. Donc c'est la taille de Y, c'est la taille de X, le nombre de lignes de X. Donc c'est le nombre de lignes aussi de A1, qui est notre première activation. Donc c'est le nombre d'exemples multiplié par la somme de la somme. La somme est là, on revient au cas dont on avait parlé tout à l'heure. Donc le cas, c'est par rapport à toutes les classes. Et le i, c'est par rapport à tous les exemples. Donc la somme, la première somme, c'est par rapport à toutes les classes. Et la deuxième somme, c'est par rapport à tous les exemples. Donc la première somme, c'est nos y. Donc y, mon grand y, multiplié par le logarithme de A3. Donc A3, c'est notre activation. Et si je reviens, donc c'est moins y fois le logarithme de l'hypothèse. Et notre hypothèse, c'est un vecteur. Donc, en fait, ce qu'on a fait ici, si je reprends notre exemple. Donc, notre y, on avait dit que ça contenait 5000 lignes pour les 5000 exemples. Et ça contenait combien de colonnes, s'il vous plaît, notre y? Quand on l'avait transformé avec cette fonction qui ressemblait à tout catégorical, cette petite portion de code. On avait combien de colonnes dans notre grand Y? Combien de colonnes, s'il vous plaît? 27. Pourquoi 27? Notre grand Y. Notre grand Y, on a juste reformulé notre Y. Donc, pour chaque exemple, on avait une étiquette. 0, 1, 2, jusqu'à 9. Bien, donc on a reformulé ça pour en faire un vecteur de 10. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord que c'était un 10? C'était 5000 exemples et chaque exemple, on l'a retransformé de telle sorte à avoir un vecteur. Vous êtes d'accord avec ça? C'est ça, catégorical. C'est ça ce qu'on avait fait dans le TP1, si vous vous rappelez, pour le réseau de neurones. Et on avait utilisé la fonction toCategorical. C'était la transformation. On voulait transformer l'étiquette qui était un scalaire en un vecteur. Et justement, on voulait la transformer en un vecteur pour pouvoir faire cette soustraction, cette multiplication. Et ça, c'est une multiplication élément par élément. Donc, en fait, mon grand Y, c'est Y multiplié par NP log de A3. Donc, si je reprends ça, ça, c'est mon Y. Et notre A3, donc ça, c'est notre A3. Et notre A3, on vient de le dire que son nombre de lignes, c'est 5000. Et le nombre de colonnes de A3, c'est combien, s'il vous plaît? A3, combien de colonnes? Après catégorical ou là, avant de dire ça, madame. Là, là, A3, A3, maman, je suis catégorical. On a A3, l'activation 3. Une colonne. Comment? Une colonne, madame. Une colonne A3? Mais allez, on reprend. A3, là. A3, c'était Hadi. A3, c'était la sigmoïde de Z3. Ou Z3, c'était la multiplication. Oui? Madame, mon acharat. Ah oui, 10, madame, 10. Bien, bien. Donc, c'est 10 fois 5000, n'est-ce pas? On est bon jusqu'ici? Oui, madame, oui.
pour les autres. Est-ce que vous êtes convaincus? Est-ce qu'on vient de Oui. calculer? Très bien. Très bien. Donc, en fait, A3, c'est 5000 lignes pour chaque exemple et chaque exemple nous a donné une hypothèse. Donc, ici, c'est Hθ de x. Chaque ligne, c'est Hθ. Hθ de x, de k. Parce que chaque classe a sa propre hypothèse. Et c'est ce que vous avez fait dans la régression logistique. Donc, le TP précédent, régression logistique multiclasse. Donc, chaque classe va nous donner une hypothèse. Et donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est d'aller calculer ça, la somme de la somme. Donc, pour chaque classe, je somme moins y fois log hθ, moins 1 moins y fois log 1 moins hθ. Donc, en fait, ce qu'on va faire, je vais prendre cette valeur, je vais la multiplier par moins 1, donc moins y. Donc, ça, c'est la classe, c'est la probabilité de la classe, enfin, la vérité terrain de la classe 0 pour l'exemple 1. Donc, je vais prendre ça. Donc, je vais prendre ça, moins, donc je multiplie par moins, donc en fait, ça, on va supposer que c'est un 1. Donc, je le multiplie par moins. Ensuite, moins y fois log hθ. Donc, fois log, la valeur que j'ai ici. Moins log, on va supposer que c'était 1,05. Je reviens sur ma formule. Donc, moins y fois log hθ, moins 1 moins y. Donc, moins 1 moins y. Donc, y, c'était 1. Donc, maintenant, ça devient 0. Ben, ça devient 1. Donc, 1 moins 1, ça devient 0. On continue, mais juste pour comprendre, fois log 1 moins l'hypothèse, n'est-ce pas? Fois log 1 moins l'hypothèse. Donc, fois log 1 moins 0,5. D'accord? Donc, moins 1 log 0,5, moins 1 moins 1 log 1 moins 0,5. Et donc, ça part, et j'aurai l'erreur pour la classe 1. Moins 1 fois log 0,5, je ne sais pas, on va avoir. Alors, 0,5 log moins 1. Donc, moins 1,30. Donc, moins 1,30. Et ça, c'est un 0. Donc, la première erreur de la classe 1 de l'exemple 1 est égale à moins 1,30. Donc, on a pris cette valeur, moins cette valeur fois log cette valeur, plus 1 moins cette valeur fois log 1 moins cette valeur. Et on a trouvé moins 1,30. Et on fait ça pour l'exemple 2. La même chose. On fait ça pour l'exemple 2, enfin, pour la classe 2 du premier exemple. Je fais ça pour la classe 3 du premier exemple. Jusqu'à terminer les 10 exemples. Donc, dans ma matrice, et c'est élément par élément. Vous savez que dans Python, lorsque je fais une multiplication et que je ne dis pas que c'est matmul, je ne sais pas que c'est, que je ne dis pas, je ne spécifie pas que c'est numpy.matmul, ce n'est pas une multiplication matricielle. Python va tout simplement faire une opération que je lui ai demandé de faire, élément par élément. Et donc, c'est ce qu'on a fait ici. Élément par élément, on a pris y fois log A3 moins 1 moins y fois log 1 moins 3. Et ça, c'est élément par élément. Y, c'est une matrice 5000 fois 10. A3, c'est une matrice 5000 fois 10. Pareil ici, donc y 5000 fois 10. A3, 5000 fois 10. Donc tout ce que j'aurai ici, c'est une matrice 5000 fois 10. Donc le résultat que j'aurai, c'est une matrice 5000 ligne fois 10 colonnes. Vous êtes d'accord jusqu'ici? 5000 lignes fois 10 colonnes. Est-ce qu'on est d'accord?
Ça va, vous êtes fatigué? Est-ce qu'on est en train de suivre? Bien. OK. Très bien. Donc, 5000 lignes fois 10 colonnes. On a obtenu. Maintenant, qu'est-ce que je fais à cette matrice pour obtenir notre coût, le J? Qu'est-ce que je fais? Dernière étape pour calculer le coût. Pourquoi argmax? Je suis juste en train de calculer le coût. N'est-ce pas? C'est le coût que je veux calculer. Je ne cherche pas la classe de mon objet. Non, je ne vais pas faire de soustraction avec la vérité terrain. Je suis en train de calculer le coût. La vérité terrain, elle est là. C'est YY. Et j'ai appliqué cette formule. Y, vérité terrain, fois log l'hypothèse, moins 1 moins Y, fois log 1 moins l'hypothèse. Donc, j'ai juste calculé cette partie. J'ai trouvé une matrice. Qu'est-ce que je fais à cette matrice? Je ne suis pas en train de faire une prédiction. Je suis en train de calculer le coût. Et ici, donc, chaque valeur que j'obtiens ici, c'est un coût. C'est un coût pour une classe et pour chaque exemple. Premier exemple, coût de la classe 1, coût de la classe 2, coût de la classe 3, etc. jusqu'à coût de la classe M. Qu'est-ce que je fais avec ces coûts? Pour trouver le coût global. Donc, le coût de tous mes exemples et de toutes les classes. Qu'est-ce qu'on fait? Dans la régression linéaire, je reviens au tout premier exemple. Qu'est-ce qu'on faisait? Au coût. On calculait le coût pour chaque exemple. Ensuite, qu'est-ce qu'on faisait pour trouver le coût final, le coût global? On somme. Bien. On somme quoi? Ici, donc, j'ai 5000 exemples. J'ai le coût de 5000 exemples et de 10 classes. Qu'est-ce que je somme? 5000 exemples et 10 classes. Qu'est-ce que je vais sommer? Je somme les lignes, je somme les colonnes, je somme tout. Qu'est-ce que je fais? Dans la régression linéaire, on somme quoi? On somme le coût des exemples? Les colonnes, si on veut le coût pour chaque classe, sinon tout. Très bien. Très bien. Donc, les colonnes, si je veux le coût pour chaque classe, sinon je somme la totalité. Et en fait, si je reviens, est-ce que vous m'avez dit tout à l'heure, je vous ai dit que ça, c'est la fonction du coût. Et je vous ai demandé, M, c'était quoi? Vous m'avez dit que c'était les exemples. Et K, je vous ai demandé, c'était quoi? Vous m'avez dit que c'était les classes. Et donc, le coût global que je veux avoir et que je veux minimiser dans la propagation en arrière, c'est le coût de toutes les classes et de tous les exemples. Donc, en fait, ce qu'on a trouvé ici, je vais faire la somme de la somme. La somme de la somme. Donc, la somme de toutes les lignes et la somme de toutes les colonnes. Et c'est ce qu'on a fait ici. Donc, la somme de la somme. Voici la première somme. Ça va sommer tout... Ça va sommer toutes les classes et ça va me sommer tous les exemples de toutes les classes. Et avec ça, on a trouvé le coût global. Le coût global, finalement, c'est quoi? C'est une matrice, c'est un scalaire, c'est quoi? C'est un scalaire. C'est un scalaire. C'est un scalaire, c'est notre coût global pour tous les exemples et pour toutes les classes. Et c'est ce qu'on voulait avoir, et c'est ce coût qu'on va réduire, qu'on va essayer de mettre à, de minimiser en mettant à jour les poids. Et donc ça c'était la partie la plus importante qu'il fallait comprendre pour calculer le coût. Ce que vous devez faire maintenant, c'est d'implémenter la régularisation, donc ajouter ce terme
à votre code. Donc, ajoutez ça. Donc, on va juste sommer, donc pour toutes les classes, tous nos paramètres θ, et on va diviser sur donc, lambda sur 2m. Ça, c'est le coût de, c'est le terme de régularisation. Ça, c'est ce que vous avez fait dans le TP de régularisation. Vous allez juste rajouter ça. À ce coût qu'on vient de calculer, on va rajouter cette deuxième partie. Et on aura donc le coût global avec régularisation. Maintenant, pour le calcul du gradient, je pense qu'on a besoin de plus de temps. Bon, je pense qu'on n'a plus le temps. 13 heures, on a déjà terminé notre heure. Bon, je pense qu'on va laisser ça pour la semaine prochaine. On n'est pas assez avancé. Et ça vous... Donc, essayez de comprendre. Donc, ce que vous devez faire, c'est rajouter ici le terme de régularisation. Et ce qu'on voudrait faire aussi, c'est de calculer les dérivées partielles, calculer toutes les dérivées pour faire la propagation en arrière et pour entraîner notre réseau. Donc, je pense que c'est plus intéressant de laisser ça à la séance prochaine pour continuer à faire notre TP. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici, s'il vous plaît? Oui, le TP5, c'est ce vendredi. Le TP6, probablement pas ce vendredi, mais le vendredi d'après, du moment qu'on n'a pas encore touché à la dérivée partielle, au gradient. Donc, vous aurez 2 semaines pour le TP6, mais 7 semaines pour le TP5. Le TP5, vous devez le faire 7 semaines. Il est très simple. On a fait 90% du TP5 aujourd'hui. Donc, si vous avez bien compris ce qu'on a fait aujourd'hui, vous allez faire le TP5 les yeux fermés. Donc, le TP5, ça sera pour ce vendredi. Le TP6, jusqu'à ce qu'on termine tout ça. Donc, jusqu'à ce qu'on termine les dérivées partielles. Mais, donc, pour le vendredi prochain, vous devez implémenter au moins la partie, donc cette partie, rajouter le terme de régularisation pour calculer le coût. Le coût, normalement, vous devrez le trouver dans les environs de 11 virgule, mais 11 virgule avec cette configuration. Si vous utilisez ce que vous avez utilisé pour le TP5, c'est-à-dire faire le décalage, vous devriez tomber normalement sur un coût de 2,28 environ. Donc, essayez de faire la partie de la régularisation, calculer votre coût, faire le décalage et on verra donc, on avancera mieux donc durant la séance prochaine, Charles. D'autres questions, s'il vous plaît? Merci à vous. Pas d'autres questions, ça va? Bien, donc si tout va, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah.